La première ministre Judith Suminwa Tuluka a outaki ko déposer projet de loi. Il y a finance, il y a 2025 avec un budget évalué na 49,847 milliards. Madame Judith Tuluka Suminwa, dans 100 jours, elle a salé le corps. Dans le belapé, problème, il y a ma Congolais. Dans le belapé, problème, il y a social. Il est pas si vivant. Il faut qu'on se dise la vérité. Peuple congolais a la poste sociale. Peuple congolais a souffert dans ma secteur rébellé. Gouvernement Bima, on dirait gouvernement Bima T. La gouvernement. Que batu oyo baekinde moto na moto esika azali ayaki pona intérêt na e personnel. Parce que diriger un pays, être un chef de gouvernement, vous devez avoir fait vos preuves ailleurs. Madame a fait ses preuves ailleurs au PNUD, dans les institutions internationales, vice-ministre, mais ministre ici, au plan. Ici, il est question de toute une nation. Il est question de la nation. Là, c'est une dame qui parle. Je suis en train de vous dire que les Congolais souffrent. Savez-vous que et vous parlez moi, de en tant qu'acteur politique. Un instant, maître Odia. Moi, en tant qu'acteur politique. Je ne m'étais pas. En tant qu'acteur politique, je dois porter la voix de mes compatriotes. Et je le fais courageusement. Il faut que je le fasse. Les gens sont très surpris. Madame la première ministre n'est pas à sa place. Comment ça? Elle n'est pas à sa place. La preuve, c'est que depuis qu'elle a été investie, il n'y a aucun changement et c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Elle vient d'arriver. Judith Tuluka Suminwa, banda suprimati, na terre tous les monnaies locales. Ceux qui prophétient le bas, moi si l'aime comme ça, ma camarade n'est la primati. Peut-être moi la moitié amour, et ça maman Judith Tuluka Suminwa. Il y a des missionnaires, oh il y a peut-être des tangas maki, ah il y a plein de soirées tout le monde ma camarade là. On y a des missionnaires, on y a des missionnaires. Projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49,847 milliards. C'est ça qui a trouvé la priorité Congolais. C'est que vous êtes conscient parce que quand le président Tshisekedi était à l'opposition, en ce moment, vous étiez député de la majorité. Pourquoi moi, je suis porte-parole du gouvernement, vous voulez nous focaliser sur des questions qui relèvent de la politique pure. Laissez le journaliste poser la question. Non, laissez le journaliste poser la question. Il la posera. Ne le terrorisez pas sur le plateau. Non, j'ai pas besoin. Mais ça veut dire qu'ici, il faut qu'on fasse. Parce que depuis Tobandiawa, Tosali peut-être 20-30 minutes. To kotina mozindo ngana fungoli na binote o fona fungola bino o maman Judith azo sala na gouvernement. Donc le choix porté sur elle a été un mauvais choix. Vous me donnerez raison, les Congolais vont souffrir davantage et ils ne vont même pas comprendre qu'ils ne font pas bien leur travail. C'est ça le problème. Est-ce que vous sentez quand vous êtes à votre place, quand vous êtes à votre place et que vous vous rendez compte que le travail n'est pas bien fait, vous dites que le travail n'est pas bien fait. Qu'est-ce que nous faisons pour que la situation change? Est-ce que vous mais sentez... quand vous n'êtes pas avec, à votre place, vous ne vous rendez même pas compte que ça va mal. Sentez-vous... C'est ça. Lukonde a estimé que cette situation est anormale, situation une situation que chambre basse na chambre haute ezala esika moko pona likambo ya parlement pendant likambo ya législature en cours esengeli basalela bango esika mosusu oyo te bakeli mibeko bakozalaka na bomeseno po te basangana tout ce temps en tant que premier ministre Sama Lukonde azalaki. Est-ce que a constaté quitté makambo wana oyé azali ko yebisa biso? Est-ce que Congolais a bénéficié na rentrée parlementaire oyo? Est-ce que vous pouvez réévaluer le processus de la démocratisation d'avant le président Tshisekedi et aujourd'hui? Parce qu'il faut placer un tableau. Monsieur le ministre, monsieur le président Tshisekedi a tenu des propos graves sur Joseph Kabila. Il n'a jamais fait la prison, ni interpellation, ni bloqué à l'aéroport d'Ngili. Est-ce qu'on peut aussi dire que si Joseph Kabila était comme le président Tshisekedi,
plus personne ne passera à l'aéroport d'Ingénie. Ça, c'est bien. Mais maintenant, mon. Nzambi na bomoi. Alain, on a tué notre frère qui. C'est encore un Kassai, malheureusement. Rossi Mukendi. L'IDPS a dit que c'est Kabila qui l'a tué. On a tué le Munda Congo ici, à Kinshasa ici. L'IDPS disait que c'était Kabila. Alors, quand c'est Kabila qui s'est dit, maintenant, ce n'est pas lui. Non, c'est lui, c'est lui. Même les gens qu'on a tués en prison là. Lambert Mende, sur l'affaire, il y a Est, il y a République démocratique du Congo, il y a éléments où il y a RTNZ2. Le Bakanin, Nathan Oyakabila. Concernant l'amnistie, le gouvernement s'oppose à l'octroi d'une amnistie générale aux membres de l'ex-rébellion du M23. Est-ce qu'il y a eu kota la biso lelo pour que Aibisa biso vérité sur Makambo Oyo et Zaliko Salema? Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. En direct, émission à l'élo, t'as annoncé Nabino déjà que t'as refongé la téléphone. Pambate Sengeli t'osoa point de vue, il y a Baï Kongo Mani, Baye Bozali Ko Landabiso. Lelo ezalaki bongo mokolo eye bo fongoli ya bakeli mibeko wapi epai oyo ba bandaki séance na bango ya yambo ba bwakaki go ndenge balobaka yango kasi na kati ya senape epesamaki bekaka bongo tokolobela yango mokolo ya lelo kasi mingi mingi awa tokosimba na esika eye président ya annoncé que absence ya siège permanent pona likambo ya parlement congolais pona ye parlement congolais bazali na esika oyo te atil isusu ndelo tope il a signalé que le palais du peuple actuellement utilisé est un arrangement temporaire qui dure depuis 30 ans palais du peuple wana. Lukonde a estimé que cette situation est anormale, situation que chambre basse na chambre haute ezala esika moko pona likambo ya parlement pendant likambo ya législature en cours esengeli basale la bango esika mosusu oyo te bakeli mibeko bakozalaka na bomeseno po te basangana kasi tokobosana te ya pa longtemps. Moi na mboka tope président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe autaki kobwa kambela sur l'affaire ya Kesengeli batongela ba député hôpital moko pote bango bakendaka kozwa ba soins et pesaki mbilinga mbilinga parce que congolais ata moko asepela ki nangote nde tindika ki te président Félix Tshisekedi balongola likambo wana tope likanisi ya kosalela ba député et sika wapi bango ba banda ko kenda ko zwa ba soin na likambote bango moko uto bazali wana basali boni pona ba Kongo mani e biso to tika bango ba kende sika bato ya ki sont pour ki sont contre ko la ba pongi oyo ba lembani te to kenda atata mbokota la pelo lengi bango bazongi lelo est-ce que congolais a bénéficié na rentrée parlementaire oyo session oyo session ordinaire ya septembre 2024 est-ce que ba congolais ba ko bénéficié na yango parce que aujourd'hui esengeli te tolobela yango malamu ba congolais banso ba bazali kolanda biso awa ba yebi ba ko contredire maman Tatiana te que batu oyo ba yakinde moto na moto esika azali ayaki pona intérêt na ye personnel. C'est ça c'est bien mais soki bino bokomi kokanisa te bosala basusu est-ce que ezali likambo ya kolumba déjà solo na likambo ya détournement. Je me pose la question de savoir wapi esika oyo ekeyi likambo ya le peuple d'abord.
C'est ça que Lukonde a trouvé. Ezali loko la priorité ya koloba pona ba Congolais. Et tout ce temps, en tant que premier ministre, Sama Lukonde Azalaki, est-ce que a constaté qui te makambo wana o ya Azali ko ebisa biso? Eza ba question, o to vanye ensemble avec vous, to ko luka ko limbola, to ko luka teto yeba, si, et seulement si, bato oyo, ba travaya kapo na biso. C'est vrai. Toko luka koyeba Sama Lukonde awuti loko a premier ministre bato to bandai ko yamba na ba plateau na biso ba ko lobate alakisaki incompétence na ye. Mais aujourd'hui, c'est la première personne ya koya koyebisa biso te basala. Voilà une priorité de la part de notre ancien premier ministre. Plusieurs priorités au ezali oyo biso ba congolais tozali kozela ezali loko la sociale ya ba congolais ozala ki premier ministre juste rappel tolingi to rappeler au moins mboka Sama Lukonde si la construction d'un nouveau siège pour na ba parlementaire wana tope ko sala parlement et comme priorité que dire monsieur Sama Lukonde sur la situation ya SRP démocratique du Congo en pile la république. Tongo midi pourquoi bazali ko déstabiliser biso et kofi olomide aoute ko zana ba nuit a pona ko lobali kambuke on nous tape ba ko beta biso et grève ya ba enseignant bozo lak sa ba na biso mabe parce que vous vos enfants ba okende ko tanga na étranger mais nyoso wana kaka mokolo ya yambo okomi ko luka de Jacob. C'est juste ma kamou. Nde koma kwa maman Tatiana. Eza nati na mokote. Ça n'en vaut pas la peine. Le peuple d'abord. Obino Bolobaki. Félix Oase kwa. Ayemba. Peuple azo luka nini. Peuple azo senga nini. E pa na ya lobaki kolia. Peuple azo senga. Bana na biso batanga malamu. Peuple azo senga priorité ezali esika oyo bino bozate. C'est ailleurs. Vous cherchez déjà. Mais un jour, boko samba. Ça fait très mal. Est-ce que lelo tokoki koloba ezalaki objectif na yo ya soko okomi esika yo ozali? To ezali solo ya kolumba new arena soki yu arena awa so ovo arena soki rena nini yango awa si ya de détournement etika le komi ko bota ba vert vous avez vu non et comme na ba vert et komi ko bota na esika wana détournement en téléchargement c'est triste. Alors tango bokoluka koyeba et kokute combien okaka ba millions moromo esundola mi awa mbongo ekei mai nenge bakino balobaka mbongo ekei pamba batu mobimba bakendaka kana ba million de dollars américains mbongo na bino moko mboka na bino moko makambo ezali koleka na awa bofandi sara yango te rien que kosepelaka koliaka mosolo ya batu dollars ekei ezongi boyaki kote ya biso abolo baki ke toko futa bandaku o ya biso toko fute la bandaku na franc congolais est-ce que yango nde mutu esalemaki c'est juste de question o esika tozali toko luka biyano na esika wana honte à vous toko lemba koloba te la première ministre Judith Suminwa Tuluka awutaki ko déposer projet de loi ya finance ya 2025 avec un budget évalué na 49,847 milliards de francs congolais soit 18 milliards de dollars américains ont été déposés aussi le projet de loi portant reddition de comptes et le projet de loi rectificative 2024.
Ce jour, je viens de déposer trois documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificatives pour l'exercice 2024. Le troisième document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais. Et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes avec notamment la guerre à l'Est, nous injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent en continuant les réformes sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification en milieu rural. Voilà. Ndekomoko atuni maman Tatiana. Voilà encore. Babi bamisusu bakomi ba vendeuse de rêves. Mutu na mutu. Est-ce que on peut compter na otozali komona lelo? Bandeko ebele balobi baza déçu parce que ba soutena ki bango pona bango balobaki ke makambo wana ekokende malamu kasi bazali totalement déçu na mai oyo mazali kolekana na esika wana ba misusu bakomi ba professionnel ya routine de la biso ba photo na bango totia yango na kati ya ba réseaux sociaux po bamona ba présence na bango atant que ba sénatrice atant que ba sénateur ba misusu ba député et autres. Honte à vous, honte à vous. Je ne vois pas comment ozo travailler na présent Félix Tshisekedi ozo sepela. Naka mon rabino, ça me dépasse de fois les choses oyo biso moro soto et totalani boye to sekaka to sekaka. Vital Kamerhe a invité qui peut moko ya invité d'honneur na likambo ya cérémonie ya makambo oyo ya inaugural ya session ordinaire ya mois ya septembre 2024 président aussi hein ya Assemblée nationale ivoirienne Adama Bitogo ya komaki awa epa ya biso na ngumba Kinshasa uto mokolo ya lobby dimanche 15 septembre wapi epai azalaki reçu epa ya homologue na Vital Kamerhe. Lelope na plénière, ba pesa ki yepe maloba, a lobele la ki penenye ni ni Côte d'Ivoire. Ezali pour Mbo Cannabiso Rebi Démocratique du Congo, adressa ki ba salutation na ye, na président Félix Tshisekedi. Nde koma kwa lobi mama Tatiana tala bato, budget à l'État en ce moment, budget à l'État en ce moment, ezali ko saigne. Na tounye po nani ni ndeko. Alobi, qui viendra nous sauver
na batu oyo na tunye po nani ya le mama tatia na suki wana pamba te okoya koloba te makila e matio okoluko loba yango na ndela etando eke a le mama tatia na bakisaka ka honte à vous ezali pasi pe mawa. Est-ce que tu peux espérer na remaniement oyo ya gouvernement soumis noir? Ba misusu balobi ke bazali ko appuyer Constant Mutamba a commandé premier ministre parce que en tant que premier ministre a osala malamu. Na mba ki invité moko awa alobi ke nungu nungu ezali na rotie la bino yango na reako deja boko landango. Est-ce que ceux qui balongoli na bango ministre Mutamba na justice lokola akobundisa mamingi kuna aye lokola premier ministre akobeta bale bien po ba congolais ba kosepela plus na gouvernement souminois et ana muto azo battre record lokola Constant Mutamba te naza sur bino nyonso bozomona sauf que ba magistrat baza contre oye azali ko sa na ebite pourquoi biso toza na misu mususu bango pe baza na misu mususu c'est de question oyo tozali kaka komituna par rapport ya mai oyo mazali ko salima tozaka komituna to komituna na moni mama jidi suminwa akutani na veka bien chapelé ba mama ba klisu ya eklesia katoliko boboto Nzambi na bomoi. Nzambi na bomoi. Budget parlementaire. Ne comment quoi lobby maman Tatiana, je conseille les parlementaires et le gouvernement de mettre plus de moyens aux secteurs fondamentaux du développement, la sécurité, l'électricité, l'eau, na banzela. Na bandila. Koti ya esika wana. Ba grève pe leki partout. Hein. Ba enseigna na grève. Ba tukoto na grève. Esika bongo na bongo makambweza ko longo banate. Moto na moto esika azali. A ebi secteur nini. Oyo lelo yo. Ezali penza ko simbate. Selon Jacques Ndala. Ape si makanisi. Parce que na okota na dossier. Bo moni na tie ba miniature. Mbote na maman Paulette ki moutou. Après Kabila moutou a Kara, tozu isou madame Kara, Paulette ki moutou. Na pesi bino nyonso, mbote. Tolanda nini, oh Jacinda la lobby. Bandeko bo bongi sa ba téléphone, parce que mission lelo c'est une émission courte. Mena au fond la téléphone, rapidement na zui ba point de vue na bino. To lobe la awa. Session ordinaire ya septembre fongwa mi lelo. Est-ce que tokoki ko espere na eloko ya malonga na part ya ba député o tozali komona? Sena. Biso moko toyebi. Toyoka batu toyamba ba ona nzela ya ba etando ya biso awa. Présent Alain Bolodjwa tongo midi po kwa alobaka yango. Assemblée nationale ezali esika moko bo ezali budgetivore. Budgetivore. Non solo eleki mingi kuna. Est-ce que le peuple congolais peut gagner? Est-ce que le peuple congolais a koki ko recevoir ata mo eloko ya malunga na bato to mo ndenge bazongeli awa? Suivez cet extrait ya mwana mboka Jacques Ndala ya mbamaki epa ya mopandi sango Alain eza video na bango ya biso awa te na linka to yoka elo ni elobami na video o. Non sa ape commentaire te. Suivez. Et ça, je demande à tous mes frères kassaïens de faire très attention. Le pouvoir de Tshisekedi nous expose. Et ça, je demande à tous mes frères kassaïens de faire très attention. Le pouvoir de Tshisekedi nous expose. J'ai dit ça, j'insiste. C'est monsieur, que c'est ce monsieur, c'est lui, les, c'est, s'il vous plaît. Mmh. Oh là là. Alain, on a tué notre frère qui, c'est encore un kassaï malheureusement, Rossi Mukendi. L'IDPS a dit que c'est Kabila qui l'a tué. On a tué le Bunda Congo ici, à Kinshasa ici. L'IDPS disait que c'était Kabila. Alors quand c'est Kabila, maintenant ce n'est pas lui. Non, c'est lui. C'est lui. Même les gens qu'on a tués en prison là. Mm.
Si on avait, ici dans ce pays-là, des organismes de droits des droits de l'homme sérieux, on allait porter plainte contre Tshisekedi au niveau de la Cour internationale, au pénal international. Alors, faites un point de chute. Voilà. Donc, je dis, dans cette ambiance-là, aujourd'hui, parler de dialogue, de concertation, si on était vraiment des intellectuels, si on était des universitaires, on n'allait même pas faire allusion aux différents dialogues passés. On allait seulement tirer des leçons. On va se retrouver dans un cadre, moi j'ai dit concertation, pour parler de ce que nous sommes. Tu sais qu'il est présent de fait, il est déjà là. Tu sais qu'il est là assis et puis il reçoit les groupes par groupe. Non, on peut prendre 2, 3, 4 jours pour parler du peuple là. Même, malheureusement, tu sais qu'il ne respecte jamais ses engagements depuis qu'il a commencé. Ça n'est pas encore un problème. Donc pour nous, MRPC, ça ne sert à rien qu'on le laisse continuer seulement si c'est un patriote qui nous aide à réformer le système électoral. Merci. Nous savons qu'il avait gardé pour en profiter, pour nous driller le fait qu'il a fait, d'accord, bonne chance, mais il reste. Voilà. Tozorina Plateau. Tabiso et Aria Konyos Télévision, PTL News, RDC, Bandeko Balandi. Pas de commentaires, hein? Bah, commentaire Mingi a Roussala d'ailleurs na vidéo, Anna. Isalité na sepe a ki Mingi kakate, to sombitinia, makanisi, pour na maimatali ekolo yabiso, République démocratique du Congo. Numéro est affiché na baya écran. Soko lingyo kota en direct pote, to sombitinia makanisi, au bengi biso. Au Pessibiso Mbela ya yo, par rapport ya sujet, hein, tozala, nakati ya sujet eye, tozali kolobela awa, mokolo ya lelo. C'est vrai, na réalité, makamboza ebele ou ezali koleka na mboka na biso République démocratique du Congo. J'ai vu un ministre, bayambi e pa ya bapandisango, Peter Tiani, na mona kipe maman Paulette Azalaki, Louis France, bazalaki wana. Bapandisango Baike, Jean-Pierre Kayembe, Pende Konangai, Nicole Pocho Wazalaki. Bayambi e bako sola po na maematali Congo. E lo kwe kamwisa kinga, ezali question o Louis France atuna kiye. Na moni ministre akangi e longi na esika te ape sabiso e yano, par rapport ya o e biso ba Kongole tozo zelelela. Ye akangi e longi. Suivez d'abord cet extrait, mesdames et messieurs, tous ces canaux nous ensemble avec vous le temps d'Eric Akobongisi la biso bilili. Nakamwe, pourquoi ministre Atombo Kaki? Pour eza motuna, ezali parmi babiloko oyo ezali ko déranger ba congolais mingi. Le temps d'Eric Akoluka yango, tie la biso non vidéo kasi ya Lambert Mende. Wapi epai oyo ezali réponse ya bandeko ebele ya UDPS oto ya mbarabango par rapport ya makambo e kolobama mingi awa. Na lingi toyoka Lambert Mende sur l'affaire ya Est ya République démocratique du Congo na ebara élément o esama na RTNZ2 to lande yango to fongola makutu na biso to yoka yango alobaka nini na tango ya Kabila et on se retrouve juste après pour toucher la bino intervention à Louis France. Suivez. À la représentation nationale en concernant l'amnistie, le gouvernement s'oppose à l'octroi d'une amnistie générale aux membres de l'ex-rébellion du M23. Il s'engage plutôt à proposer incessamment à la représentation nationale un projet de loi d'amnistie pour faits de guerre et faits d'insurrection couvrant la période allant du 1er avril 2012 jusqu'à ce jour. S'agissant de l'intégration ou réintégration des ex-combattants du M23 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'accepte pas l'intégration des éléments de l'ex-rébellion du M23 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela d'autant plus qu'une telle intégration individuelle ou collective ne fait pas partie des obligations qui lui incombent au terme des pourparlers de Kampala. Pour les différentes zones de retour des réfugiés et personnes déplacées internes, le gouvernement s'engage à les sécuriser, à les viabiliser
et à les rendre attractives. Concernant l'amnistie, le gouvernement s'oppose à l'octroi d'une amnistie générale aux membres de l'ex-rébellion du M23. Il s'engage plutôt à proposer incessamment à la représentation nationale un projet de loi d'amnistie pour faits de guerre et faits d'insurrection couvrant la période allant du 1er avril 2012 jusqu'à ce jour. S'agissant de l'intégration ou réintégration des ex-combattants du M23 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'accepte pas l'intégration des éléments de l'ex-rébellion du M23 au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela d'autant plus qu'une telle intégration individuelle ou collective ne fait pas partie des obligations qui lui incombent au terme des pourparlers de Kampala. Pour les différentes zones de retour des réfugiés et personnes déplacées internes, le gouvernement s'engage à les sécuriser, à les viabiliser et à les rendre attractives. Concernant l'amnistie, le gouvernement s'oppose à l'octroi d'une amnistie générale aux membres de l'ex-rébellion du M23. Il s'engage plutôt à proposer incessamment aux personnes déplacées internes. Le gouvernement s'engage à les sécuriser. Voilà. Tozongi na plateau na biso moto na moto esika azali au comprendre maikani oyo elobami sur l'affaire ya accord. Awande na koliki ya tesengeli kolukela biso l'homme au verbe facile parce qu'aujourd'hui a koma na FCC. Soki arozana courage ya koyebisa biso vérité par rapport ya likambo ya accord po accord oyo kolumba na ngambo ya FCC na ngambo ya pouvoir pe en place likambo ya accord wana likambo ya ba mixage brassage au sein de l'armée bango balobaki te basalaka yango te bango koto yango yesika tango wana nde azalaka Patrick Muya ya temps présent. Est-ce qu'il y a eu tala biso lelo pour que aibisa biso vérité sur makambo oyo ezali ko salema lelo. Boko limbisa biso pambate lotili ke ko sala biso défaut pour to sala émission na biso penza malamu mingi. Question sur l'affaire ya ba arrestation ya ba opposant ya ba résistant na aéroport ya Njili. Ezo sala défaut ya osaranati. Aujourd'hui bande ko na biso bazo ko kalisu ko s'en sortir te. Awa na lingi na bwa kambela na sesak président Christian Bosembe. Vous êtes lambangu sur l'affaire ya makambu oyo ezo longo banate. Mais quand il s'agit ya communicateur ya ba communicateur ya chef oyo baza ko finga na ba mama na nzela ya ba réseaux sociaux pour eux ba invitation aiko. Ba invitation ikele ve. Mais soki e komi na ngambo ya bandeko na biso misusu tala mupiku ya ba invitation. Pourquoi deux poids deux mesures? Est-ce kamba awa likambu pe ya ba nationalité ko boma rabino? Oki Jean-Marie Kasamba auti ko zanga ebonga na ye parce que azali na nationalité française. Mais belé tant balobaki batiaki ya Christian Lusakwe no likolo nzoka bango na bango étranger bango na bango Christian ndimaki atiki na ye ope kuna pe tika pe ngai ya bino maman Tatiana na zakawa na tepo na kuvandela likambu songolo pakala. Tantôt toyoki ape Jakinda la pe ya mtu pe a esprit ye pa kokite ba fingi mama na ye ale ti mama na, ba mama ba sambwe ba mama baza bato ya kopesa lokumu lelo ba komi ko sambo to landana Patrick Muya ya mesdames et messieurs et on se retrouve juste après potoko tana dossier oyo botiko oyo sa congolais soni suivez. Merci Peter de donner la parole au peuple. Je voudrais poser des petites questions. Monsieur le ministre, il ne faudra pas qu'ils disent aux Congolais comme si la construction de la démocratie commençait avec le président Tshisekedi.
C'est un processus. Est-ce que vous pouvez réévaluer le processus de la démocratisation d'avant le président Tshisekedi et aujourd'hui? Parce qu'il faut placer un tableau. Monsieur le ministre, monsieur le président Tshisekedi a tenu des propos graves sous Joseph Kabila. Il n'a jamais fait la prison. Ni interpellation, ni bloqué à l'aéroport d'Ingéli. Est-ce qu'on peut aussi dire que si Joseph Kabila était comme le président Tshisekedi, plus personne ne passerait à l'aéroport d'Ingéli? Ça, c'est d'accord. Mais maintenant, Moni, avant que tu n'en réponde la question, si cela appelle véritablement une réponse, parce que je considère que c'est un commentaire ou un avis personnel. Oui. Mon cher ami, évitons d'individualiser. Parce que comme on a Balobara, les grands esprits discutent sur les idées. Les idées. Les esprits moyens discutent des événements. Et les esprits faibles discutent des Monsieur, maintenant, si Koyopi, Ndekokuzike, ça. Parce que quand on parle de démocratie, vous voulez l'évaluer à l'aune de quoi? Monsieur le ministre, moi, parce que je n'avais pas terminé ma question, s'il vous plaît. Quand nous parlons de la démocratie, c'est que nous savons, vous et moi, que l'architecture de la démocratie était la constitution qui a été mise en place avant l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays. Il ne faut pas individualiser encore une fois, parce que la constitution, la démocratie, alors, appartient à nous tous. Alors, si à ce moment-là, nous n'allons pas individualiser la gestion du pays, le pays, nous l'avions confié entre les mains d'un individu. Vous qui? Nous, peuple. Mm-hmm. Si vous ne voulez pas que nous puissions parler de l'individualisation dans la gestion du pays, donc, nous allons considérer que le président n'est pas là. Pourtant, il est là. Monsieur le ministre, une petite question. Une dernière d'ailleurs, c'est que vous êtes conscient, parce que quand le président Tshisekedi était à l'opposition, en ce moment, vous étiez député de la majorité. Pourquoi moi, je suis porte-parole du gouvernement, vous voulez nous focaliser monsieur le ministre, sur des questions qui relèvent de la politique pure. Laissez le journaliste poser la question. Non, laissez le journaliste poser la question. Il la posera. Ne le terrorisez pas sur le plateau. Non, non, je n'ai pas besoin. Mais ça veut dire qu'ici, il faut qu'on fasse. Parce que depuis Tobandiawa, Tosali peut-être 20-30 minutes. To kotina mozindo nga na fungoli na binote o fona fungola bino o maman Judith azo sala na gouvernement. Donc ndeko alors excellence Patrick Muyaya devrait être très content de parler du président Tshisekedi parce que c'est le chef de l'exécutif dont vous êtes membre. Le problème n'est pas celui-là. Il faut poser une question claire, on vous donne des réponses claires. D'accord. Allez-y s'il vous plaît. Alors. Excellence Patrick Muyaya. On sait que vous êtes un bon parleur. Ça, c'est ce que nous apprécions en vous. Vous aussi. Mais monsieur le ministre, il y a un problème. Le problème, c'est la devise politique du président Tshisekedi avant de devenir président. De mettre fin à tous les lieux de fermeture. Le cachot. Chose non faite. Le président Tshisekedi était venu avec un objectif à la tête du pays. De casser tout le long de Joseph Kabila, qu'il a qualifié de mauvais. Dictateur. Et que lui devrait changer. Déboulonner les systèmes. C'est-à-dire, il y aurait une rupture, c'était là le concept utilisé, rupture, entre vous qui étiez à la majorité à l'époque, parce que je ne sais pas quelle perception vous aviez quand vous étiez au pouvoir, et que le président Tshisekedi était à l'opposition, il se comportait comment? Vous pouvez aussi nous répondre sur cette question. Mais, monsieur le ministre, aujourd'hui, le président Tshisekedi venu de l'opposition, à la tête du pays, c'est comme si les choses s'empirent. Et il y a traumatisme dans le chef de ceux qui ne partagent pas votre vision. Est-ce que vous pouvez nous dire que le Congolais aurait choisi de laisser Joseph Kabila président ou souhaiter que le président Tshisekedi devienne président? Ce que vous êtes en train de dire est extrêmement dangereux. Parce que de manière inédite, Bobo Sanate, que l'unité des mesures principales dans une démocratie, ce sont les élections. Président a gagné avec 70%. Il a parcouru les pays. Batubawando Kanisa, que tel ne serait pas candidat, tel ne serait pas ceci. On a eu de procès. Tous ceux qui étaient en mesure d'être candidats l'ont été. Moutoko Sabinote, parcourez, regardez, je ne voudrais peut-être pas citer des pays ici, mais dans la plupart, moi je parlais avec un ami ivoirien. Il dit la crise électorale au Bango Bakone Sarakuna, elle est du fait de l'exclusion de certains. On a exclu qui? Non, je parle d'avant élection, pas après élection. Laissez-moi parler, parce que je vous ai laissé parler. Encore merci. Que pour moi, je voulais que ces débats ne se fassent pas de cette manière, mais parce que vous y êtes. Merci. Est-ce que, dans 2018,
Est-ce que Katumbi était candidat? Est-ce qu'il a été candidat? Adolphe Mouzito l'a été? Ont-ils été exclus ou pas? Alors, faisons attention. Faisons très attention dans la symbolique. Est-ce que Bonina a rappelé Bino je ne vois même pas l'utilité de remuer un passé que nous devons oublier. Moi, j'ai été au G13. Pourquoi? L'air tout ça, la G13. Pourquoi pensez-vous que nous l'avions fait? J'étais dans quel bord politique? Je suis toujours dans mon parti, le Palou, en étant en alliance avec le FCC. Mais je n'étais pas d'accord et nous l'avons exprimé. Et notre autorité et FCC, ils le savent. Alors maintenant, pour revenir à ce qui est plus important, de quoi nous voulons parler? Je veux vous donner des exemples dans la symbolique. Les lobinonios sont bozaranes, sangotela, bomona, ige, fasa, la moussala. Est-ce qu'inspection générale des finances, pour prendre un cas, et bandina président Fadji? Pas du tout. Mais pourquoi pensez-vous alors qu'on a redynamisé cette structure? On n'a jamais autant combattu la corruption dans ce pays que maintenant. Nape Sabino, ma preuve. Allez-y. Nape Sabino, l'Isola, ige. Sur Ibotala, la télévision nationale. Bon, on a même que la Cour de compte fait des procès aux comptables en direct à la télévision. Botali APLSC. Obi problème à Ezali. Et Nana Solo, là, qui en a eu. Monsieur Alingé Tassali Moussala Makassi, dans la prévention. Ma patrouille financière, ma union, son bazala qui. Dans la RTNC, je me souviens que même pour l'obéissance à 500 ou 1000 dollars, il fallait ma vie à l'inspecteur. Mais, focalisation à Batweza Kaka, a-t-elle détournement? Encore que l'IGF n'a pas des compétences pour établir qu'il y a eu détournement, c'est le travail de la justice. Mais les dénonciations qui sont faites, parce qu'il y avait une dimension pédagogique derrière, on fait des dénonciations sur ce qui ne marche pas. Généralement, ce qui a marché, et moi j'ai demandé à l'IGF de faire maintenant des communications sur ce qui a marché. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été, des intérêts de l'État qui ont été préservés beaucoup plus en amont que les cas qui sont l'objet aujourd'hui des procédures judiciaires. Une dernière excellence. Donc, ça veut dire que ce n'est qu'une illustration sur une question fondamentale. C'est de ça que vous parlez, vous me révélez un élément. Monsieur le ministre, parce que quand nous préférons vous poser des questions, c'est parce que quand nous comparons tout de même les deux régimes, le président Tshisekedi et le président Kabila, parce que le président Tshisekedi vient tout de suite après Joseph Kabila. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions avoir sur la balance les deux gestions. Mais ça veut dire que, excellence, mais je termine. Quel sera le point de comparaison? Mais non, que moi ce que je vous, vous allez terminer. Je n'ai pas encore terminé. Prenez le point de, s'il vous plaît. Je prends le point. Le point de comparaison de ce qui touche au quotidien de Congolais. Je prends le point. Prenez la question, pardon, de la gratuité, par exemple. Moi, j'ai choisi mes secteurs. Non. Moi, je veux qu'on recentre les débats sur ce qui touche aux Congolais dans leur quotidien. Je prends ce qui touche aux Congolais, excellence. Est-ce que vous allez garder les Congolais que vous nous disiez? Nous prenons les secteurs, les sous-secteurs sociaux. Parce que ce qui concerne directement le peuple, votre observation est les meilleures. Merci. 6 ans à la tête du pays, vous, gouvernement, et le président Tshisekedi, c'est lui le chef, aucun prix d'un seul produit n'a été revu à la baisse. Aucun. Mais écoutez, M. Kouzikessa. Oui, Excellence. Alors, parlons peu, parlons bien. Merci. Il faut éviter d'aller dans le cosmétique. Là, il faut apporter de solutions structurelles profondes. Vous savez, nous faisons une communication transparente. Alors, vous allez voir le prix baisser. Mais il y a des choses qui doivent être faites en amont. Pardon, s'il vous plaît. Oui, Excellence. Laissez-moi parler. C'est pour ça que le deuxième engagement du président de la République, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, nous sommes à 3 mois. J'insiste sur le temps, parce que vous, vous pouvez le comprendre. C'est peut-être pas la même compréhension que le Congolais lambda. Ça s'est construit. Vous avez vu que le VPM Moukoko, la première, les présidents en a parlé 3-4 fois en conseil de ministres. On a travaillé, on a pris des mesures qui doivent aboutir à la baisse de prix. Non pas simplement pour des besoins cosmétiques, mais une baisse substantielle. Mais pour que les prix baissent,
Vous devez agir sur les secteurs. Non, pas cet exemple, Lélo. Bah, mesure et Zouami, Premier ministre a signé décret. Mais entre-temps, bah, importateur, bah, importateur qui déjà bilo quoi, un prix X, bah, ça là qui bah, stock. Bah, ça qui stock il y a 3 mois, il y a 6 mois. C'est des hommes d'affaires. Donc, l'air bisso tozu, bah, mesure n'a bisso Lélo. Toroya, oui, ça va, non, bah, prix au. Il faut qui pour importer vos biens il y a 3, 4, 6 mois, équita. On n'est pas dans un secteur anarchique. C'est un secteur des discussions. Et là où maintenant, la question que vous posez, elle est pertinente. Il faut nous interroger nous-mêmes. Le gouvernement a sa part, mais la société aussi a sa part en termes d'investissement. Qu'est-ce que nous produisons? Aujourd'hui, on parle de la diversification de l'économie. Mais l'État Moussala n'a pas partout à Ranine, Kosala Banzela. On n'est pas dans un État communiste ou sur le modèle où l'État veut tout faire et tout contrôler. On est dans un modèle économique où l'État fait des lois, bah tout, bah opérateur privé, bah yé, bah koti, tobani ko produire. Parce que les situations que nous vivons aujourd'hui, vous pouvez nous reprocher de ne peut-être pas suffisamment le changer. Mais nous avons commencé. Mais c'est des situations qui, malheureusement, ne commencent pas avec nous. Parce que ce est botali structuration et à pays, à tout point de vue, commençons d'abord par notre propre mentalité, notre rapport à notre pays. Comment on se comporte? Lobby Nazaki, je termine par là. Lobby Nazaki, qui a assisté à la cérémonie de Copambia sur la politique nationale de tous, on parlait de l'image de marque du pays. L'image de marque du pays, maman Paulette, est-ce que c'est simplement la question du gouvernement? L'air yo osu mai, au meli mai, aussi l'issue du qui n'a balabala. Est-ce que vous contribuez à rebondir sa image en boca? L'air au bois qui a n'est ça. Plastique et pour la rater. Ça peut faire 100 ans là-bas. Beaucoup fin là-bas, gouverneur, ni on sent. Mettons que nous-mêmes, on va pas nous avec interroger sur le rôle que nous, le lien ou la relation qu'on doit entretenir avec l'État, les biens publics, Tokokoma, Wapi. Et ça fait 30 ans, 40 ans que Bissomoko, volontairement ou involontairement, Tokoma, bah, acteur, il y a destruction, il y a Mbokana Bisso. Et le processus, Obin Zeteler et Kolara, et ça, là, Makel, et Tenzeteur que Kolabo, pas, aucun Katangon à jour manquant. Il est plus facile de les détruire que de les construire. Et nous, nous construisons. Et Peter Tiani, je peux vous donner des chiffres. Ce Tokoti, au Monaco, sous le président, tu sais qu'il dit, on a avancé à tous les niveaux. Mais Hermoussou, Tozan a moins 800. Là où Bozaki n'a moins 2000, beaucoup n'a moins 800. Bozaka dans les trous. Alors, Lefrance, pour rebondir. Nous sommes en train de parler du peuple, Excellence, Monsieur le ministre Patrick Muyaka Thembué. Vous nous donnez l'impression que nous sommes le seul pays qui n'est pas capable. Il fallait faire un schéma magique pour baisser les prix. Pourtant, c'était l'ambition primaire du président de la République. Pendant la campagne de 2018, il avait dit aussitôt que je deviens président. En ce moment, c'est comme si vous n'aviez pas mesuré qu'il fallait un processus. C'est 6 ans après, monsieur le ministre. Parce que vous semez, le premier mandat est terminé. Vous êtes au deuxième mandat, si vous nous dites que vous continuez à semer pour baisser les prix des denrées pour le peuple, alors nous allons... Alors, Kouzike, ça soit que nous parlons le même langage ou pas. Soit que vous voulez comprendre ce que je dis, soit que vous ne voulez pas. Il faut pas oublier, entre-temps, qu'il y a eu presque 2 ans de Covid. Il faut pas oublier qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Parce que vous parlez des produits là. Est-ce que nous, ces produits, pour la plupart, nous les fabriquons, nous les importons? Est-ce que vous savez que la pauvreté coûte cher? Parce que dans les prix là, un produit qui coûte 1 dollar à la fabrication, pour que ça nous arrive ici, il faut foutre un bon amaï. Si vous foutez mon amaï et commis ma tâle, il faut foutre un bon adouane. Sauf foutu mon à douane et si faut foutre un bon à transport. Non, mais ça a un exemple. Nous étions en train de travailler avec le vice-premier ministre Moukoko. Il m'a dit, conteneur, mon con. Au foot, il y a 2500 dollars. Et au tissu qui est Amsterdam, ce qui est Wapikuna, et Komana Matadi. Mais c'est presque le même prix. Kolonga Matadi, Kokoma Kinshasa. Ça, c'est la réalité. Et ça, les opérateurs économiques facturent aussi ces transports-là en termes de coûts. Alors, l'ELO, le travail qui est en train de se faire, c'est d'analyser comment on fait baisser ces prix-là de manière substantielle. Bokoti Nakati,
il y a structure de prix. Bonobi a bafutaranine, OCC, OFPI. Est-ce que c'est essentiel? Non, tout est payé. Dans la paix, problème, il y a ma Congolais. Dans la paix, problème, il y a social. Il est pas si vivant. Il faut qu'on se dise la vérité. Peuple congolais a la poste sociale. Peuple congolais a souffert dans le secteur rébellé. Gouvernement Bima, on dirait gouvernement Bima T. Dans le gouvernement, bah, il est content de la carte. Il est pas si vivant. Mon conseil, quand elle a le bilan, les erreurs du passé. La commande la yamote, à tali le coin la primati, ni pas les baléki, en salé le côté, à l'obi le coin, ni pas les bazar les erreurs du passé, n'a soit moi si, n'a tchayewana, ni la presse vivre, n'a soit moi si n'a tchayewana, pour moi si n'a moutaye baka, pas si yabana, ayabi kemona oya ya kaboul ou encore, ayabi kemona oya ya kaboul. Maman Julie Toulouka Souminoa, ma pensée primatique, a continué l'histoire. Banda Congoise Banda, nan mon amour, c'est un petit pas primatique. Doseli a tête de l'Obino, ma juge à Kamoutou na 100 jours. Il a pas si vivre. Ma juge à Kamoutou en fonction à 100 jours. Total à 100 jours. Elle est quitte au moni et le corps. Madame Julie Toulouka Souminoa, dans 100 jours, elle a salé le corps. Le peuple d'abord, et ça me concerne, quand il y a mon côté de Moutabotita. Le peuple d'abord, et Seigneur, il m'a donné un sort à terre et ma bouda. Nous sappions pas ce qu'on a fait l'unité. Mais maman, j'ai dit tout le cas soumis. Banda, je suis primatique. La terre, tout le monde est de l'autre côté. Oyebi, Constant Moutama, différent, c'est ça. Constant Moutama, je suis un communicateur. Mais partout, maman, je suis comme si je suis un communicateur. Et ça, c'est que je ne peux pas faire ça. Et ça, parce que, je suis comme un amour salarié à Kito. Il n'a pas suivi quoi. Mais maman, je dis toujours qu'à souligner, chargé de mission, c'est un membre du PPRD. Il n'a pas suivi quoi. Il sort de combattre à la PPRD. De combattre à la Nessie, système. Mais vous voyez la primatie. Aussi dans la diaspora, autant d'ici dans le Congo, mon conseil, quand le tribalisme était, Moulouba, Mouyaka, Moussoye, il est en avait. Mais il y a un cas dans le Congo, mais ça, la terre, madame, le peuple a été tourné. Et ça, la prophétie, voilà le peuple congolais. Ce qui prophétie est le bas. Moi, si je suis dans la salle, je suis dans la peut-être que moi, si je suis dans la salle, je suis dans la salle. Je suis démissionné. Oh, il y a peut-être que je suis dans la salle. Il y a une place où je suis dans la salle. Il y a des missionnaires qui sont dans la salle. Madame la première ministre n'est pas à sa place. Comment ça? Elle n'est pas à sa place. La preuve, c'est que depuis qu'elle a été investie, il n'y a aucun changement et c'est dans tous les secteurs de la vie nationale. Elle vient d'arriver, d'ailleurs, le séminaire gouvernemental aura lieu, je crois, la semaine prochaine. C'est du folklore. Le temps que chaque ministre comprenne son job description. Mais c'est ça que je vous disais, ouais. Que c'est des parvenus. C'est des gens qui ne sont pas à leur place. Non, mais et politiquement, ils ne sont pas soutenus. Chaque gouvernement, on envoie des ministres en séminaire question, que chacun comprenne les limites, les responsabilités, job description, ainsi de suite. Oui. C'est pas. Mais parfois, c'est une formalité. Ouais. Avec le gouvernement soumis, ça semble ne pas être une formalité. C'est vraiment un chemin par lequel on donne les béabas aux nouveaux membres du gouvernement. Admettons qu'aujourd'hui, le PPRD, mon parti, soit au pouvoir. Vous pensez qu'on peut, directement me nommer Premier ministre? Non. Pourquoi? Parce que j'ai encore un combat à mener. Vous estimez que vous n'avez pas la carrure qu'il faut pour l'instant? Humblement, je l'admets.
Humblement, je l'admets. Parce que diriger un pays, être un chef de gouvernement, vous devez avoir fait vos preuves ailleurs. Madame a fait ses preuves ailleurs au PNUD, dans les institutions internationales, vice-ministre, ministre au plan. Ici, il est question de toute une nation. Il est question de la nation. Là, c'est une dame qui parle. Je suis en train de vous dire que les Congolais souffrent. Savez-vous que vous parlez de notre dame? Moi, en tant qu'acteur politique, je dois porter la voix de mes compatriotes. Et je le fais courageusement. Il faut que je le fasse. Les gens sont très surpris, Jean-Pierre. On a longuement parlé de cette question, mais parce que vous voulez qu'on y reste, restons-en. Aujourd'hui, on a dit, c'est historique qu'on ait une femme à la primature. J'aime bien appeler ça le château de l'avenue du roi Baudouin. Elle a besoin de votre soutien. Pourquoi c'est vous qui vous empressez à tirer sur elle? Pourquoi? Pourquoi? Au lieu de la soutenir. Vous savez pourquoi je mène mon combat aujourd'hui et même depuis quelques années? Ça va faire maintenant 4 ans que je suis dans la politique active. C'est pour que le jour où l'occasion va se présenter à moi, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, oui, que les Congolais ne doutent pas de mes capacités et de ma compétence à bien faire le travail. Alors quand on dit que les femmes ne se soutiennent pas, on a la preuve sur le plateau. C'est pas ça. Ouais. J'ai fait la même chose avec Sama Lukonde, c'était un homme. Je vous avais dit qu'il allait lamentablement échouer. Ça a été le cas, oui ou non. Est-ce qu'il a échoué? Vous le savez. Il nous a laissé un budget, 14 ou 16 milliards de dollars. Un budget, ça c'est les chiffres et les lettres. Parler des indicateurs tels que les routes à Kinshasa. Quelle est la voie principale à Kinshasa qui est praticable? Le ministre des Infrastructures est conduit à dire qu'on était, pour le taux, enfin pour le projet Kinshasa-Rotrou, qu'on était autour de 80% du taux d'exécution. C'est le ministre qui le dit. Oui, il a été reconduit. Qu'est-ce que les Congolais qui sont usagers de ces routes disent? Qu'est-ce que ces Congolais pensent? Revenons à Mme Soumino pour terminer, parce qu'il faut qu'on change de thématique. Oui, je suis en train de vous dire que, ouais, en français, il est dit qu'il veut aller loin, prépare sa mouture. Donc, quand vous voulez un jour exercer les fonctions des ministres, les fonctions des premiers ministres, les fonctions de président de la République, commencez par militer à la base. On ne fait pas. Mais précédemment, madame avait été présentée. Elle est présentée comme membre de l'UDPS. Non, moi, j'ai pas de problème. On l'a vu s'afficher avec Augustin. Moi, j'ai pas de problème contre la personne, oui, de Madame Soumino. Mais je pense que si elle avait cette ambition de diriger le pays en tant que chef de gouvernement, elle aurait pu commencer à mener son combat personnel plusieurs années avant. Pour ne l'avoir pas fait, le choix porté sur elle a été un mauvais choix. Vous me donnerez raison, les Congolais vont souffrir davantage et ils ne vont même pas comprendre qu'ils ne font pas bien leur travail. C'est ça le problème. Est-ce que vous sentez quand les premiers signes? Quand vous êtes à votre place, oui, oui, et que vous vous rendez compte que le travail n'est pas bien fait, vous dites que le travail n'est pas bien fait. Qu'est-ce que nous faisons pour que la situation change? Est-ce que vous Mais sentez... quand vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous rendez même pas compte que ça va mal. Sentez-vous, c'est ça le cas. Sentez-vous les premiers signaux, Maître Rodia, de ce premier gouvernement du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi? Vous savez au moins que 2 jours après le passage de Madame le Premier ministre dans la province du Nord Kivu, oui, certains territoires sont tombés. Réaco News vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel.